Le document décrivant les consignes de sécurité. Afin que cette milonga vous donne entière satisfaction, nous vous proposons de participer activement à la mise en pratique collective des règles de base couvrant les quatre thèmes suivants. Entrer sur la piste, avancer dans son couloir, assurer la fluidité, être conscient de son entourage. Votre piste de danse est constituée de couloirs de danse parallèles, imaginaires ou marqués au sol, et d'une zone centrale. Les règles de circulation y sont comparables à celles en vigueur sur une autoroute. La vitesse de croisière y est cependant très inférieure. Nous allons maintenant vous préciser les quatre thèmes évoqués. Thème numéro 1. Entrer sur la piste. Ou comment entrer sur la piste de danse lorsque le morceau a déjà commencé. Avec ma danseuse, je me place au bord de la piste. J'attends qu'il y ait un espace suffisant entre deux couples de danseurs. Je m'assure que le couple arrivant de la gauche m'a vu. J'entre sur la piste et je commence à danser. Thème numéro 2. Avancer dans son couloir. Ou comment assurer une répartition homogène des couples sur la piste. Je choisis mon couloir de danse et j'y reste. Je laisse constamment au couple qui me précède l'espace suffisant pour exécuter un tour. Thème numéro 3. Assurer la fluidité. Ou comment assurer la fluidité en gérant les arrêts et les dépassements. Avec ma partenaire de bal, je progresse régulièrement en fonction de la musique. Si je veux marquer un arrêt, c'est pour un court instant et sans déranger le couple qui suit. En cas de bouchon, je reste dans mon couloir. Si, exceptionnellement, je dois dépasser, je le fais par le côté gauche. D'abord, je regarde si l'espace est suffisant entre deux couples. Ensuite, je change de couloir et j'y reste. Si je souhaite revenir sur mon couloir d'origine, je le fais sans faire de queue de poisson. Rappel, je laisse constamment au couple qui me précède la distance suffisante pour effectuer un tour. Thème numéro 4. Être conscient de son entourage. Ou comment assurer l'harmonie avec les autres couples. Pour moi, danseur, je garde un œil sur les couples qui m'entourent. Pour moi, danseuse, je signale à mon partenaire un éventuel élément dangereux qui lui aurait échappé. Je contrôle l'amplitude de mes boléos et ganchos. Pour tous, si par malheur, malgré toutes ces précautions, un incident devait se produire, je conçois de m'excuser et de m'enquérir de la gravité de l'incident. Nous vous remercions pour votre attention. Le personnel du bar se tient maintenant à votre disposition pour des rafraîchissements tout au long de cette soirée. Nous vous remercions d'avoir choisi Open Milonga et vous souhaitons un agréable bal en notre compagnie.